C'est un bilan accablant que dresse cette année encore Amnesty International. L'ONG a rendu son rapport sur 2014 ce mercredi. Selon l'association, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde compte plus de 50 millions de personnes déplacées. Parmi ces réfugiés, quelques 4 millions de Syriens ont été chassés de leur pays par une guerre qui a fait plus de 200 000 morts. Amnesty International ne se prive pas pour épingler l'Union européenne. Malgré l'urgence humanitaire, seuls 150 000 Syriens ont pu s'installer à l'intérieur de ses frontières. Les pays européens sont closing their borders to the Syrian refugees. So the Syrian refugees face with very important humanitarian crisis, and they are dying in fact. The European countries should open the borders to them, and as much as the neighborhood countries. Otherwise these people will be out of any prevention, and otherwise these people will go on dying. La France n'est pas épargnée par le rapport. Selon Amnesty International, si le pays est ouvert à l'accueil des déplacés dans les paroles, dans les actes, c'est une autre histoire. L'ONG dénonce notamment les difficultés dans les procédures administratives de demande d'asile, mais aussi les expulsions de réfugiés.